les ébouts. Puis ça. J'ai hâte de faire le clin d'œil. Je connais pas ce t-shirt. C'est nouveau? Oui, c'est nouveau. Normalement, il y a tout. T'as pensé au maillot de bain? Ah non. Non, non, vous allez à la piscine? Ouais. Ah, c'est bon, ça. Ouais. Pendant 4 heures sur la route, hein. Ok. Suzanne, t'as des devoirs ce week-end? Je vais regarder dans mon cahier de texte. T'as des devoirs? Je sais pas. Ah si, j'ai un truc sur les pyramides. Voilà. Ah si, Lily. Ouais. Salut. Vous me dites au revoir. Moi, Suzanne. Suzanne, tu prends ta veste. Amusez-vous bien. Au revoir, chérie. Un soir, tu vas te coucher. Et tu sais que c'est la dernière nuit. Tu sais qu'après, cet homme qui a dormi toutes ces années contre toi, que plus jamais il te prendra dans ses bras. Le matin, les enfants se glissent sous les draps et c'est la dernière fois que ça se passe comme ça. Alors il se lève. Et comme chaque jour, il s'éloigne dans le couloir. Il referme la porte et c'est terminé. Vous avez l'air de bien vous entendre quand même. Oui. Disons que je me suis arrangée pour. Mais si vous vous entendez bien, pourquoi vous vous êtes séparés? Parce qu'on reste pas avec tous les hommes avec qui on s'entend bien. Oui, je sais, mais... quand on s'entend bien, il faut bien une raison pour se quitter, non? Quoi, tu veux que je te donne une raison nette et définitive, c'est ça? Ben ouais. Je pense que si on était restés ensemble, j'en serais morte.